Dans le but de rationaliser les dépenses publiques et de consolider le budget de l'État, le CLRD met aux enchères une partie du parc automobile de l'État composée essentiellement de véhicules 4x4, V8, 9 et d'occasion. La Direction générale des douanes dirigera cette opération dont les recettes seront reversées au trésor public et serviront à équiper les centres de formation professionnelle et à renforcer les capacités d'accueil dans les unités d'urgence au sein de certains hôpitaux de Guinée. Par cette action, nous contribuerons à réduire le train de vie de l'État en luttant contre les dépenses superflues. C'est pour moi un principe de précaution essentiel à la gestion publique qui vise à protéger les deniers publics et leur utilisation transparente pour les besoins des populations.